Salut tout le monde, c'est Predaz, comment allez-vous? Bah écoutez, pour ma part, ça va vraiment super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc cette vidéo passera sur ma chaîne personnelle et je tenterai d'envoyer ce gameplay à Code QG et à Code CF et à Quazy Game. Donc en tout cas, je vous remercie hein, les staffs, je vous remercie si vous acceptez ma vidéo parce que je pense qu'elle le mérite. En tout cas, le gameplay le mérite. Donc avant d'attaquer le sujet, je vais tout simplement parler du gameplay. Donc le gameplay, ça va être un plus de 100 kills à la Reaper en domination hardcore sur Call of Duty Ghost. Donc je vous spoil déjà le plus de 100, hein, mais je vais pas vous dire le score exact. Et dans cette partie, on va réaliser, je pense, un record FR. Et je pense aussi un world record. Donc ça va être quoi? C'est tout simplement que 3 joueurs de notre équipe vont réaliser un plus de 100. Donc il y a moi, Ice Tyler et je sais plus qui. Donc grosse dédicace à vous. Donc voilà. Donc je tiens à remercier vraiment fortement les staffs s'ils me plaudent, même si je l'ai déjà dit. Donc voilà, donc j'espère que le commentaire va pas être trop mou parce que voilà, 16 minutes de vidéo c'est pas vraiment mon kiff parce que voilà, passez sur ma chaîne, vous allez voir que mes vidéos sont plutôt en 3-4 minutes parce que voilà, je sors que des KEM express. Donc voilà. Donc comme je tente d'envoyer ce gameplay à plusieurs chaînes communautaires, je vais tout simplement me présenter. Donc voilà, donc moi je m'appelle Predaz HD les gars sur YouTube. Je suis youtubeur depuis 3 mois. J'ai 650 abonnés à l'heure où je vous fais la vidéo. Je suis un joueur performance, donc depuis le début de ma chaîne, vous pouvez retrouver à peu près que des KEM. Donc 98% de mes vidéos sont des KEM, on va dire ça comme ça. Je fais plutôt plaisir aux abonnés, donc ceux qui veulent jouer avec moi, ils jouent avec moi. Je fais même participer des abonnés dans mes commentaires. Excusez-moi, j'ai une petite remontée. Donc voilà, je fais vraiment plaisir aux abonnés, c'est mon kiff et c'est mon but sur YouTube d'avoir quand même une petite reconnaissance envers vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne les gars, je pense pas que vous allez être vraiment très déçus. J'ai sorti aussi une KEM en 83 secondes, donc voilà, donc j'ai un second record FR. Et j'ai sorti un 87 gun streak sur MW3, donc ça c'était le record FR. Donc voilà, donc en tout cas, je vais pas m'attarder sur ma chaîne pendant ce gameplay. Je vous laisse l'opportunité d'aller dans la description et aller checker ma chaîne et aller vous abonner, franchement. Je pense que ça vaut la peine. En tout cas, je vous remercie tous. Donc, on va attaquer le sujet. Donc le sujet, je pense que ça va en intéresser plus d'un. C'est les petits youtubeurs ne s'entraident pas assez. Et voilà, donc on va tout de suite commencer les gars. Donc, comme vous pouvez le voir, même à cette année-là, donc pas la chanson, à cette année-là, non je rigole les gars, je vais arrêter de partir en couille. En 2014, aujourd'hui, les chaînes YouTube se sont multipliées par 100, voire, par 100, c'est gentil quand même, par 1 million, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, tout le monde peut participer sur YouTube, les plus jeunes comme les plus vieux. Avant, on était dans une époque où voilà, YouTube c'était vraiment difficile à atteindre. Les vidéos, personne ne savait comment faire à part les grands YouTubeurs. Je passe par là vers DiabloX9, MonsieurLV12. Voilà, il y avait deux chaînes, voire 3-4 chaînes sur YouTube. Donc c'était plutôt du Gotaga, du WarTech, MonsieurLV12 et DiabloX9. Donc c'était vraiment, voilà, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, 4 chaînes. Il y en avait peut-être plus, hein, voilà, mais c'est les principaux qu'il y avait avant. Et ces youtubeurs-là, voilà, je pense qu'ils étaient vraiment très complices. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire, voilà, 4 bonnes chaînes, 4 grandes chaînes. Mais qui sont maintenant, voilà, un peu plus molles qu'avant. Parce que je pense qu'ils s'intéressent plus trop à YouTube, parce que YouTube, c'est vraiment devenu un monde de faux cul, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le savoir, c'est très dur, en tout cas pour ceux qui sont sur YouTube, c'est très, mais vraiment très dur de commencer YouTube.
Parce que voilà, dès que vous commencez, vous prenez quoi? 3-4 abonnés par semaine. Ouais, par semaine, à part si vous faites vraiment des vidéos de qualité. Donc, normalement, vous prenez environ 100 abonnés chaque mois. Moi, j'en prends 200. Donc, ça fait 3 mois que j'ai commencé. Je suis déjà à 650 maintenant. Donc, en tout cas, je vous remercie. Et c'est, je sais pas, voilà, c'est une fois en fait. Après, ça dépend ce que vous sortez. C'est, si vous sortez des bons gameplays, vous allez vraiment augmenter à fond quand même sur YouTube. Et là, vous aurez besoin de l'aide de personne. Vous pourrez être fier de votre aventure. Mais si vous arrivez voilà, à sortir 50 kills sur BO2 sans chien d'attaque, je sais pas, ou un truc comme ça, en démolition, je pense pas que vous allez réussir avec ça sur YouTube. Et je vais venir par rapport à ça. Donc voilà, donc il y a vraiment des YouTubeurs qui ont le mérite de YouTube. Donc là, je vais citer des YouTubeurs, mais c'est pas pour leur faire de la pub. Hein. Franchement, c'est des YouTubeurs que je parle pas trop avec eux. Bah, je parle pas du tout même avec eux. C'est quand même des grands YouTubeurs pour moi. Donc un YouTubeur à 15 000 abonnés qui est Toto. Donc je sais pas s'il regardera cette vidéo. Donc Toto69. Pour moi, lui, il mérite d'être sur YouTube parce que tout simplement, ses gameplays sont juste, on va pas dire magnifiques, magnifiques, mais voilà, sont quand même. Ils passent, ils sont potables, ces gameplays, y a rien à dire. Son commentary est parfait, franchement, y a rien à dire. Je pense que niveau commentary, c'est le meilleur commentateur que j'ai vu. Et cette chaîne-là, on va pas dire que c'est de la merde, c'est vraiment un truc de bien. Et il a fait quoi? Bah, tout simplement, il a avancé, à part qu'il y a eu de l'aide, mais il a avancé quand même, c'est tout simplement parce qu'il propose de la qualité. Et voilà, donc sur YouTube, maintenant, faut de la qualité. Et pourquoi? Et pourquoi faut de la qualité? Bah, parce que tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un monde de faux cul. Et tout le monde critique les autres. Donc voilà, donc là, excusez-moi les gars, des fois j'ai des petits bugs. C'est tout simplement parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, le gameplay est long à commenter. Et c'est pas mon habitude. Donc, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas personne s'entraide sur YouTube. C'est tout simplement parce que tout le monde veut être au-dessus de tout le monde. Je pense que vous voulez. Je pense que tout le monde le sait, mais. Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Tout le monde veut être supérieur à tout le monde. Voilà, c'est un peu bête ce que je dis. Mais par exemple, quelqu'un qui va être à 600 abonnés et quelqu'un qui va être à 1000 abonnés. Celui qui a 1000 abonnés, je pense pas qu'il va avoir. Voilà, qui va avoir la fierté de faire un dual commentary, par exemple, ou une petite pub à celui qui a 600 abonnés. Il va se dire, ouais, il va prendre mes abonnés, il va me dépasser. Et si un jour, voilà, il m'oublie alors qu'il est au-dessus de moi, grâce à moi, ça va pas le faire. Franchement, c'est ça. Mais une fois que quelqu'un, voilà, vous fait un petit peu de pub et au-dessus de vous, les gars, faut avoir vraiment de la reconnaissance. Parce que, voilà, moi je connais. Pourquoi je dis que YouTube est un monde de faux cul? C'est tout simplement, je vais pas citer son blaze par contre, parce que là franchement, sinon il va me ramener toute sa chaîne YouTube sur ma chaîne. Je vais pas citer son blaze, mais un pote à moi lui a fait de la pub, donc mon pote, voilà, je vais pas citer quand même son nombre d'abonnés, sinon il va se reconnaître, mais il lui a fait de la pub. Et ce dernier l'a regretté de lui avoir fait de la pub, hein, je pense, parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il a carrément oublié, franchement. On peut pas dire le contraire parce que à l'époque d'avant, lui, celui qui est au-dessus maintenant, ah, celui qui s'est fait faire de la pub en fait, avait 100 abonnés et l'autre en avait 3000 et il faisait des vidéos à deux et c'est ça qui l'a fait monter et c'est grâce à lui et arriver au-dessus de lui maintenant. Et ben franchement les gars, je peux vous dire qu'il s'en lasse vraiment, il s'en fout complètement de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça, moi je dis, je remercie les chaînes communautaires parce que je sais que si j'augmente après avoir passé cette vidéo, je sais que ça sera un minimum, voire un maximum grâce à eux. Et c'est pour ça que je trouve que YouTube, voilà, quelques chaînes ne devraient pas exister parce que voilà, je vais pas critiquer, mais quelques chaînes sont vraiment très très, voilà, moyennes, on va dire. Et d'autres chaînes ont vraiment. Voilà, ils doivent normalement, par obligeance,
ils doivent être au-dessus de tout le monde sur YouTube parce que franchement, il y a des chaînes qui méritent vachement 10 fois plus que d'autres. Et je pense que la mérite de YouTube n'est pas là aujourd'hui en 2014. Parce que maintenant, voilà, on va voir plus de 100 kills sur une chaîne, on va directement s'abonner. Alors que le gars, ça va être sa première vidéo comme ça, en fait, sa première vidéo plus de 100 kills. Alors que les autres, ça va être, je sais pas, une médaille implacable ou des trucs comme ça, et va s'abonner. Tandis que quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas trop Ghost. Quelqu'un qui n'aime pas trop Ghost et qui va sur une chaîne et qui a que des KEM ne va pas s'abonner, va peut-être lâcher des dislikes. Et alors que le youtubeur mérite 10 fois plus que l'autre, donc voilà. Donc franchement, il n'y a pas de logique sur YouTube, et c'est ça que je fais. Voilà, faut quand même avoir un minimum d'audience, voilà, un minimum de fierté. Parce que si vous montez sur YouTube, les gars, ça veut dire quelque chose, mais pas obligé. Parce que ça se peut que, voilà, il vous est arrivé une petite pub. Ça se peut que quelqu'un qui vous a fait une pub a des abonnés très fidèles, mais dès qu'il vient sur votre chaîne, n'est plus vraiment très fidèle. Et voilà, donc c'est pour ça YouTube, franchement, je pense que ça devient de plus en plus mort. Et ça, personne ne pourra le contrer. Blabla, personne pourra dire le contraire. En tout cas, moi je pense vraiment qu'il y a des chaînes qui ne devraient pas exister du tout. Il y a des chaînes qui devraient être là au-dessus des autres. En tout cas, si je passe sur les chaînes communautaires, tous les petits youtubeurs qui regardent cette vidéo, voire tous les grands, franchement, YouTube c'est pas de l'IRL, c'est rien du tout, les gars. C'est une virtualité. YouTube, c'est. Voilà, t'es derrière un ordinateur, tu parles. Et. YouTube et IRL, c'est pas pareil du tout. C'est pour ça, les gars, les grands youtubeurs. Franchement, je dis pas ça pour qu'un grand youtubeur vienne me voir et me fait de la pub. Hein, franchement, pas du tout. Je préfère avancer tout seul, les gars. Je vous le dis net. Je préfère avancer tout seul. Mais, après, c'est ça pour mon cas. Par contre, s'il y a des gens qui veulent vraiment avancer sur YouTube et qui font du bon travail, et ben, j'incite les grands youtubeurs, voilà, à leur faire. Une petite dédicace, une petite pub, voilà, c'est pas des ordres hein, que je donne, pas du tout, justement. Je donne mon avis, c'est tout. Parce que voilà, parce que peut-être vous êtes fait connaître en fait sur YouTube. Et voilà, donc moi, si je me suis fait faire de la pub en fait par quelqu'un, voilà, je sais que maintenant, s'il y a quelqu'un qui me demande un like ou un petit commentaire, et si j'apprécie la vidéo, ben sans problème, je lui lâche. Il n'y a pas de problème, même si je peux lui ramener 10 voire 20 abos, je lui lâche, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, les gars, enfin, s'il vous plaît, je vous dis pas ça, comme si j'étais votre mère ou votre père. Ça ferait vraiment bien quand même que toute la communauté se rejoigne et s'y met un peu, voilà, faire découvrir d'autres chaînes, comprendre un peu les youtubeurs qui sont en détresse ou. Voilà, donc comprendre les voilà ceux qui n'ont pas trop de niveau sur Call of Duty qui voilà qui se lancent dans un autre mode de chaîne YouTube et tout voilà donc franchement faut essayer de s'entraider à max les gars pour que les meilleures chaînes de YouTube augmentent pour que les meilleures chaînes soient les meilleures vues c'est tout simplement ça. Donc en tout cas les gars excusez-moi si le commentaire n'est pas vraiment très bien. J'excuse tous les abonnés des chaînes communautaires, c'est tout simplement parce que sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai l'habitude de commenter des gameplays de 3-4 minutes. Je fais pas plus parce que je mets que mes KEM en express. C'est pour ça, les gars, là, commenter un gameplay de 16 minutes, c'est pas vraiment mon actif. C'est pour ça, j'ai dû arrêter à quelques moments le commentary pour boire un peu. Donc voilà. Donc en tout cas les gars, j'espère que le gameplay vous a plu. J'espère que le commentary vous a plu. Encore une fois, je remercie les trois. Bah je sais pas en fait à combien de chaînes je vais l'envoyer. Donc je remercie vraiment le groupe de code QG, de code CF, de Crazy Game à qui je vais envoyer cette vidéo. Principale chaîne à qui je vais les envoyer. Et j'espère que vos abonnés viendront sur ma chaîne. Si vous voulez voir vraiment de la performance sur Call of Duty Ghost, les gars, ben venez, hein. Voilà, des plus de 100, des KEM Express, y a pas de problème, les gars.
Donc voilà, donc lâchez un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas d'aller en description. Tous les liens de Twitter, de Facebook sont là. Donc les gars, je vous laisse. On va finir sur un triple plus de 100 en équipe. Donc c'est ça qui était le record. Et moi, je vais finir sur un 109. Je te KVM Plo, il va finir sur un 101. Et Tac Speedy, je pense, ouais, va finir sur un 100 à tout pile. Donc voilà. Donc, j'espère que le commentaire vous a plu. Voilà, je me répète, les gars, je suis vraiment désolé. Mais voilà, en tout cas, le gameplay vaut la peine. Et bah, si les chaînes communautaires ne m'uploadent pas, bah, tant pis pour moi. En tout cas, les gars, moi, je vous laisse sur une bonne soirée, une bonne journée. Dormez bien, rêvez bien, je sais pas, passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye, les gars, c'était Predaz.